Le port est, l'enceinte, petit travelling. Alors au loin, je vois une sorte de petit bateau qui se met à quai, remorqueur. Comme il n'y a pas un bateau, je me demande s'il n'y en a pas un qui va rentrer. On est lundi 23 mars 2015. Donc là, ça bouge pas trop au niveau bateau. Par contre, alors, il fait relativement beau, malgré quelques nuages ici ou là, mais dérisoires. Alors, on va aller les voir. Quelques nuages ici, un beau bleu par là. Quelques nuages. Là, c'est pas mal découvert sur l'horizon. Alors, puisqu'il y a du port, il y a un chariot cavalier à proximité. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais c'est caché dans les containers. Donc, comme il y a l'air de rien vraiment se passer d'extraordinaire au port, nous allons continuer notre voyage vers le soleil couchant, comme d'habitude. Alors, le soleil couchant, donc, on passe par en bas, là où vont les voitures. On contourne par là-bas derrière et on va retrouver notre soleil qui se trouve là pour l'instant et c'est là-bas qu'on va aller. Je suis sur la piste d'hélicoptère devant la surveillance portuaire. Alors là donc c'est l'entrée. Là en fait aussi la sortie puisqu'il y a un camion qui va nous le faire. Là il est au portique et il ne va pas tarder normalement à décoller vu qu'il vient d'arriver. Alors on attend quand même. Voilà. Il se fait la chave. Magellan. Voilà. Il part là, il y a un rond-point. Bon, voici. Alors nous, par contre, on fait demi-tour. Alors je me trouve donc, voilà, je rentre dans le port de nouveau. Et là, je regarde quand même l'arrière paysage. Les montagnes. Là, le triangle de la possession, là. Et là, donc, on a notre port est et ses portiques et ses containers. Alors, à l'arrière, là-bas au loin, on voit les deux cheminées ou les quatre ou les huit cheminées de la centrale électrique. Et là, on va se trouver sur le littoral. Alors, pour protéger tout ça, quand il y a des cyclones, voilà, tout le long, là, il y a sur 800 mètres la protection du port est et ça sert bien d'ailleurs. Autrement ici très tranquille aujourd'hui, le littoral. Alors, je me suis pas rapproché très près. Voilà quand même 2-3 pêcheurs et voilà on est dans l'axe de ce qu'on va faire toujours comme d'habitude. On va aller là-bas sur la pointe des Galets vers la SRPP en revenant sur nos pas. Donc là le rond de la piste d'hélicoptère. Mais nous, on va aller par là-bas. Allez, un petit saut dans l'espace et le temps. Alors tout à l'heure, on était voilà, au bout, là-bas, pas loin des portiques, l'entrée du port. Et on a parcouru tout ce chemin, voilà, le parcours de santé, qui se termine à peu près ici. Et alors là, on est donc ici. En contre-haut, ou en contre-bas, c'est en contre-haut. Voilà, alors je me dirige toujours vers mon ami le soleil. À proximité ici du littoral nord, je n'ai pas une ouverture de ce côté-ci, mais par contre là, oui. Alors la route en corniche et on retrouve nos portiques. Alors là, on va faire un petit focal sur l'entrée du cercle de Mafate à illuminer, puisque le soleil aujourd'hui est bien dégagé déjà. Alors les hauts là-bas, qui vont
jusqu'au Cap Lausset. Bah, Cap Lausset, on le voit. Le Cap Marianne, en tout cas. Voilà la grue, là, que je mets au milieu de l'image. Et juste à gauche de la grue, son drapeau. On voit le Cap Marianne et plus ou moins le Cap Lausset, quoi. Alors voilà, on est au Holcim. On va continuer notre chemin. J'avance un peu sur la... crête et je me mets plus en bordure là. Bordure de l'océan qui me permet d'avoir une petite ouverture maintenant sur le sud. Enfin, le sud où je me dirige. Ah, bah, il y a une petite bande de pêcheurs. Et voilà, nous on va passer vers le port ouest des jetées qui se trouve derrière ces cuves là. Chose, éventuellement, il n'y aurait pas grand chose, il n'y aurait pas grand monde pour nous emmerder là, à mon avis. J'élimine le bas et je regarde juste les crêtes. Alors à gauche de l'entrée du cirque de Mafat, il y a une crête ennuagée. Et en fait là c'est les hauts de Dodane. Là, toute cette partie je mets un petit peu au centre. Voilà là, le haut là-bas, il y a une crête Dodane et Dodane. Ça fait un petit plateau où il cultive à 1000 mètres d'altitude la salade. Et alors en suivant ces crêtes, par derrière, on arrive à Saint-Denis, les hauts de Saint-Denis, le Brûlé, etc. Voilà, il y a des promenades par l'arrière. Alors par contre, quand on regarde vers le haut, on peut faire une promenade dans les nuages. Alors de ma crête, je suis descendu sur le plancher des Vaches. Voilà, petite vue donc de ce côté-ci. Il y a des no man's land d'herbe là, avec un peu de vent. Ça permet de... Ouais, ça fait du mouvement. Voilà donc ce qu'on va faire. Voilà, ma bicyclette est en avant là. Et alors on va aller vers le soleil couchant. Let's go to the moon. Non, to the sun. Allez, on vient d'ici. Et on va par là-bas. Alors, nous voici descendus par ici, à proximité des citernes, des cuves de la SRPP. Alors, ce qu'on attend, Mr. Sun, hein, il risque de se cacher derrière une couverture de nuages que j'entrevois là. Ça ne va pas nous empêcher de regarder un petit peu le littoral nord de son début ici, à partir de la SRPP, jusqu'au bout là-bas, dans les portiques du Nord-Est. On va même se refaire un petit focal sur l'entrée du cirque de Mafat. Alors à l'arrière, les nuages sont orangés, sur les crêtes là-bas. On redescend un peu. Alors tiens, il y a quand même des gens sur la crête que je fréquente là, au milieu là, en haut, à droite, enfin, au milieu de l'image en fait. On voit un t-shirt rouge près. Ah, qu'est-ce que je vois là-bas? Une lumière, ah, un hélicoptère près des portiques, au-dessus des portiques, me semble-t-il, hein, je peux me tromper. Alors la route en corniche, une fois. Et voilà. Alors là, on va se retourner vers le soleil couchant. Et on va faire une petite avancée au-dessus des pêcheurs là-bas. Voilà, le soleil a des velléités de disparaître encore précocement. Voilà. Il faut bouger un peu parce que des fois il y a le décor qui dérange pour voir toutes les parties. Vous voyez comme les luminosités changent vite, que ce soit dans le ciel ou sur la terre ou même sur l'océan. Et notre soleil est en train de vouloir disparaître. On va être obligé de l'attendre ici, car après on risque de le perdre. Quelquefois
Il y a un peu de luminosité du soleil sur les cuves, comme celle-ci, là, au bout. Bon, là, derrière le chemin bétonné qu'on va entreprendre, elle est notre soleil, quand même. C'est pas spectaculaire, mais c'est quand même le crépuscule. Comme il resterait normalement quelques minutes, je vais essayer de le récupérer un peu plus loin, mais j'ai des doutes, car il y a un nuage, une couche nuageuse sur l'horizon qui va sur quelques kilomètres et qui nous empêche de le voir complètement. Mais on va essayer quand même. Bon là, il est encore derrière les nuages, mais on va l'oublier 2 minutes. Il est là, derrière. J'aurais peut-être pu le choper un peu plus bas. Malheureusement, c'est trop court. Mais il est là, en fait. Il est là, derrière, le soleil. Et il allume toujours notre petite lune qui est montée assez. Voilà, bon, ben, soleil couchant. Et alors, on arrive sur son jeté. Alors, il y a une ouverture sur le port, là, et les bateaux de la Darse Auturière. Alors, le chemin continue, voilà, vers la Farge. Et on va donc se diriger là-bas et après sur les jetées. Alors on vient de là. Voilà nos nuages par derrière. Et on va donc par là. Allez, sur nos jetées maintenant. Voilà le couchant. Nos deux jetées. Alors là, le ballast. Alors là, nous avons une ouverture sur le bassin de dragage, là. Et alors, en haut, quelques lumières orangées. Et comme d'habitude, j'essaie de choper les premières chauves-souris, mais c'est raté. Là, j'ai grossi 3 fois pour essayer de prendre la jetée. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Bon, déjà, c'est tremblé, c'est pas trop bon. Et après ça, on va voir l'agrandissement, si c'est net ou pas. Voilà, c'était la raison de cette image. Alors, sur le couchant, on voit dans le ciel, au-dessus des nuages noirs, hein, comme s'il y avait un coucher de soleil reflété dans les nuages, là. Donc c'est assez marrant, il y a comme un miroir qui fait qu'on voit quelques points, comme si c'était le dernier point du soleil avant le point vert. Le reflet, enfin, ça reflète par en bas. Alors, je vais remonter un petit peu vers la lune. En même temps, on a des chauves-souris. La lune ici au milieu. Les chauves-souris qui se promènent sur la plage. Dans le soleil et les nuages. J'ai la vague impression que ça va être
Et on va faire un petit tour circulaire et ça va être la dernière image comme ça. On va terminer où on peut à 27 secondes. Ah oui, oui, les boules nuages là, l'air. Enfin, dans la réalité, il ressort pas mal. Le cirque de Mafate.